Bonjour les amis, c'est Tutu Retrek, j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec la team TD2E. On va faire une petite visu. Oh là, on va y voir que dalle franchement. Mais regardez un petit peu tout le monde qu'il y a. Pour une fois, il y a vachement de monde. Donc on va tourner une vidéo tous ensemble. Donc c'est parti Une pour fois. l'épisode numéro 5 avec la team TD2E. Let's go! Que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la team. J'essaie de garer la caméra libre. Maintenant ce qu'on va faire, on va commencer à partir. Donc Alex, tu peux partir. Donc on va parler un petit, on va montrer un petit peu toutes les personnes qui il y a sur le convoi. Donc après tout le monde suit à la traîne, par l'arrière. Donc on se retrouve en premier avec Alex Homme. Salut tout le monde. Bonjour Alex. Il n'y répond pas d'ailleurs. Si, je suis là. Oh le vent. Oh, c'est méchant. On se retrouve avec Alex, on se retrouve aussi avec Nolox. J'attends tout le monde Salut. là. Hey, Ah, quand même. Hey, on dit jamais 203. Non, arrêtez les gars, c'est sérieux s'il vous plaît, c'est au sérieux. On se retrouve avec Henry 640. Salut à toi. Voilà, allez, ça continue. Attention. Wow. Et maintenant on se retrouve avec Kevin SF23. Salut à tous. Mode. Qui démarre comment dératé. Après c'est Extreme Brony. Tel à toi. Je roule doucement pour l'instant. Coucou à toi Titi. Puis de derrière peut venir en même temps. Voilà. Il y a Extreme Brony. On se retrouve avec Tristan tout au fond. Voilà. Et moi, le camion tout pourri qui est là, c'est le mien. Et ouais, voilà. Donc moi, je l'ai marre. Donc nous avons aussi Laggy Gaming, mais qui a des problèmes de connexion, donc il nous rejoindra un petit peu plus tard. On ne peut pas Avec attendre la trop sœur. longtemps. Avec sa soeur également, qui sera en vocal. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu la connexion, donc on peut pas faire grand-chose. Donc attendez-moi, les gars, n'allez pas trop vite. Oh, je suis à 50. Arrêtez-vous quand même, parce que là, je viens déjà de perdre celui qui est devant moi de vue. Hein. Mais les gars. Je mets Alex, mais c'est pas une raison pour fausser comme des dératés, hein. Non, non, je suis à peine à 50 là, je suis à 48. Bah, on a plus de 50 titis, on sort de pile, hein. Allez. Donc, on est en convoi, donc on est en convoi, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 7, donc moi ça fait 8.
vais me garer, vous pouvez repartir, je vais me garer. Mais attention, non, restez derrière moi. Il y a une sortie pas loin. Alors, franchement, je comprends pas ce qu'on leur a fait à ces gens pour qu'ils nous fassent ça, quoi. Mais apparemment, ce que j'ai compris, c'est à cause de François Hollande qui a envoyé les troupes en Syrie. Ce que j'ai compris, parce que dès qu'ils tiraient, parce qu'ils ont tiré en plus dans un bar ou dans un bar spectacle, je crois. Le Bataclan. Au Bataclan. Stade de France, je crois, une Bataclan. Non, Stade de France, c'était des kamikazes. C'était des kamikazes. Oui, mais aussi dans le bar. Ils se sont fait sauter la gueule. Mais dans le bar, ils sont arrivés à 3, ils ont tiré. Sur toutes les personnes qui bougeaient. Comme toutes les personnes étaient de dos, du coup, ils ont fait un carton. Ils ont fait un carton, ils ont fait pratiquement plus de 80 morts. C'est juste incroyable. Et hyper douloureux, franchement. Ils ont aussi frappé au Hall, au Stade de France, terrasse d'un café, le Bataclan, ils sont rentrés, ils ont balancé des grenades comme ça sans réfléchir. Oui, mais ils ont pas hésité. Ils parlaient, ouais, c'est toi tu bouges, t'es mort. Et ils tiraient sur n'importe qui. Que ça peut être des flics, n'importe quoi, ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Attention Alex, ralentis, c'est derrière. Ouais. Oui. Le problème, c'est pas des Syriens qui se vengent de parce qu'on leur attaque leur pays. C'est des gens, c'est des terroristes dont on leur fait croire des conneries. Enfin, par exemple. Je sais pas, mais en tout cas, ça a été. Rebonjour. C'était. Y a pas quelqu'un qui arrive. Putain, je croyais qu'il y a quelqu'un qui arrivait. On leur convertait à des idées extrêmes. Doublez-moi, les gars. Ils veulent faire une société extrêmement fermée. Où tu n'as plus rien. Où tu vis sous la charia, en fait. Bref, c'est. Ça s'appelle de l'extrémisme. Oui. Et du terrorisme. Ça n'a rien à voir avec des gens. Enfin, ça n'a rien à voir avec des gens qui défendent un pays. C'est juste pour moi, c'est des gros connards abrutis qui ont des œillères, quoi. Ça, c'est lié à la guerre en Syrie. Attendez, par contre, on va essayer de pas tous parler en même temps. Alors que tout le monde s'attend, Johnny, attention Tristan. C'est lui. Ouais. J'ai vu qu'il fonçait son marmor et j'ai dit, oula, fais gaffe. Mais c'était moi le dernier. Je suis 72-13. Ouais, Titi. Put, ok. Donc, Antoine. Donc, on est avec Lucky Gaming également. Bonjour. Et sa sœur, qui est sur son UTS. Par contre, je me suis planté de rapport. Voilà, c'est mieux. Voilà. Ouais, ralentissez un petit peu. Donc, Lucky, on a commencé à partir. Donc, si tu peux essayer de nous rejoindre. Ouais, bah. La fin de ma mise à jour de Steam, hein. Ce que je vais faire, c'est que de toute façon on va faire un arrêt à Strasbourg, donc tu nous rejoindras à Strasbourg. Ouais, c'est plus pratique. Ne t'oublie pas de t'arrêter à Strasbourg, Alex. Hein. Ouais, bah je suis à 56. Ah, par contre, j'ai perdu tout le monde, c'est nickel. Ouah, c'est. Titi. Et vu qu'en fait j'ai laissé passer tout le monde le temps que je redémarre. Pardon, le temps que j'en ai marre, et du coup ils ont tous tracé. Bah, j'ai quelqu'un derrière moi, je sais pas si c'est toi. Ah bah c'est bon, j'ai retrouvé tout le convoi. Ralentissez, n'allez pas trop vite. Je suis à 62 là. Ça sert à rien. Alors là, franchement, c'est la première fois. Salut, je sais pas si c'était qui. non, franchement, ça a été l'attentat le plus meurtrier. Je mets à 70. Depuis je sais plus quelle année. 70, voilà, merci. En France, hein, parce que quand même. Ah oui, en France, oui, mais à Paris surtout, parce que franchement, mais en plus, ils attaquaient de sang-froid, quoi, à Paris, quoi, franchement. Les mecs, ils ont vraiment peur de rien. Tu compares à World Trade Center, c'est rien du tout, hein. Franchement, ça me. Ouais, mais c'est simple, c'est. Mais déjà, regarde, Javier, il y avait déjà eu l'attaque là de Charlie Hebdo. 15 janvier, Charlie Hebdo. Je sais plus si c'était le 15 janvier. Avec Charlie Hebdo. Le 7 janvier, un truc comme ça, oui. Je crois que c'était ça, oui. Juste après les fêtes de fin d'année, je crois. Oula. Mais il y avait eu l'attaque de Charlie Hebdo avec l'hypercacher avec Koulibaly. Les frères Kouachi, franchement, ça a été. Déjà, c'était. Ils en ont parlé pendant je sais pas combien de temps. De ça, pendant au moins deux. Non, mais au moins, bien une semaine. Or là, vu que là. Vu que ça a été un attentat très très meurtrier, ralentissez les gars. Ah, je suis à 70. Mais ralentis encore. Que ça a été un attentat très meurtrier, je pense que les médias vont en parler pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire bien moi, je pense. On va se mettre à 60.
Pour moi, il faudra que juste je fasse une pause, que j'aille augmenter un son parce que je n'entends pas très bien. Mais sinon, ça a été très très. Mais je crois qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué, je crois, avec des Kalachnikov, je sais plus quoi, non? Ouais. On est à K47, je crois. Des Kalachnikov, ouais, voilà, c'est ce que je pensais. Ils ont tiré un rafale, quoi. C'est franchement, c'est. Bah, ils ont pas cherché à savoir, ils sont entrés, ils ont buté tout le monde. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, par contre, là, je lag, attention, Titi. Non, t'inquiète pas. Mais le problème, je vais vous dire un truc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une époque plus dangereuse qu'il y a 40 ans. Pourquoi? Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, mais ça. À cause du terrorisme, il y a 40 ans, on pouvait se balader, je ne sais pas, bah, librement avec un couteau dans la poche. Ça, c'était pas un problème. Aujourd'hui, ça pose un gros problème. Et franchement, il y a des moments, tu te dis. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a tout le monde. Comment dire? Non, mais là, tu te sens plus en sécurité. Tu sors, tu te sens jamais en sécurité. Voilà, c'est tout. On se sent plus en sécurité. Bah tu vois, bah maintenant moi le soir... Par contre évitez de parler tous en même temps, s'il y en a un qui parle, évitez de couper la parole. Juste extrême Bruni, c'est quand quelqu'un parle, évite de couper la parole. Allez, moi je ferme la marche. Et du coup, franchement, cet attentat, on s'y attendait pas, franchement, parce que malgré que la France a quand même l'un des meilleurs services secrets, l'une des meilleurs systèmes de services secrets au monde,
Oui. Bah... Le risque zéro, ça n'existe pas malheureusement. Il n'existera jamais. La France ouais. Au monde, ça m'étonnerait moi. Bah on a eu l'un des meilleurs services spéciaux au monde. Bah peut-être ah. Plus maintenant. Hein. Bah là, ouais, pour l'instant. Que... Peut-être plus maintenant. Je... Peut-être qu'aujourd'hui ça devient dépassé. Hein. C'est pas possible. Kevin prévient quoi. J'ai clignotant. Mais c'est vrai que préviens maintenant... à la voix parce que là ça va que j'ai vu ton clignotant au dernier moment parce que sinon je me serais bouffé ta remorque. Ouais. Donc ouais mais le problème c'est que maintenant faut trouver vraiment des solutions pour éviter ce genre de problème. Enfin pour éviter au maximum. Ils trouveront toujours un moyen de passer et de frapper fort. Ouais mais justement. Ça a été le cas avec cet énorme attentat. Rappelez-vous et regardez un petit peu les chiffres. 129 morts. Et plus de 320 blessés, un truc comme ça. Donc dans une centaine, donc 99, donc c'est-à-dire 100, dans un état critique. C'est vraiment... J'ai regardé la TV, et je voyais les gens qui sortaient par les fenêtres, ils sortaient de partout. T'en as même qui se sont pendus aux fenêtres pour essayer d'échapper aux terroristes, mais c'est un truc de fou. J'ai pas de mots hein. quand j'ai vu ça, j'ai pas de mots. Là, j'ai toujours bon là, j'essaie de trouver les mots mais j'ai pas vraiment les mots. Y a pas de mots pour décrire une horreur comme ça franchement. Non, bah, y a pas de mots. Après voilà, faut trouver vraiment des moyens pour que ça se reproduise plus ou vraiment pour vraiment éviter. C'est impossible. Et comme tu l'as dit, merde, je suis en train de bouffer la barrière de sécurité. Comme tu l'as dit, bordel. Comme tu l'as dit, le risque zéro n'existe pas. Ça je le sais. Et ça m'étonnerait que ça existe encore pendant longtemps. Mais si on peut le repousser au maximum, ça serait bien. Alors si vous avez des idées pour éviter ces problèmes de terrorisme, bah allez-y. Hein. Bah, de toute façon, on est là pour débattre. Hollande, il a fermé les frontières, donc bah déjà ouais. Ouais. Par la première mais déjà, ou pas les premières choses qu'on dit les terroristes, c'est la faute de Hollande et tout, ce qu'on a entendu. On va s'arrêter à Strasbourg, on passe devant. Bref, juste pour dire que c'est vraiment plus que tragique. C'est vraiment ça a marqué tout le monde, mais alors il n'y a pas que la France qui est dans l'œil, parce que la France est obligatoire. Il n'y a pas que la France, il y a la Belgique, il y a tout le monde entier qui rend hommage. Il y a même des personnes qui sont sorties dans les rues en Allemagne pour... Oui, en Allemagne, en Belgique. J'ai même vu des personnalités en Alaska et tout qui rendent hommage. C'est un truc de malade. Il y a tout le monde entier rend hommage. Le monde entier. Dans la droite, les gars. Silhouette. I'm
getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Mais bon, faut avoir juste des connards. Même si t'es quelqu'un d'extérieur, quoi. Après, on va pas te demander de faire, je sais pas, 10 000 choses. Mais au moins un minimum. Juste quoi. Au moins de respecter, quoi. Ouais, juste voilà. De respecter au moins la minute de silence. Si tu t'en fous, bah, essaye de pas le montrer, quoi. Ouais. Déjà. Parce que lors de Charlie Hebdo, moi dans mon lycée. Bah, dans mon lycée également. Dans mon lycée également, c'était quand? Mais c'était en janvier. Donc c'était. Mais c'était, c'est-à-dire quand j'étais encore, quand j'ai passé encore mon bac pro, quand j'étais encore dans mon national filière, il n'y a plus personne, c'est bon? C'est Kevin. Ouais. Lorsque j'essayais, tu vois... Oui, enfin... donc j'avais pas fini, mais bon. Quand j'étais dans mon truc, quand j'étais encore dans ma national filière, parce que j'ai changé, hein, vous savez que je suis en apprentissage, eh bien, il y en avait un qui avait rigolé, il s'est fait exclure carrément du lycée. Imagine! Bah, non, c'était le collège, pardon, parce qu'en fait, nous, c'était un ensemble école, collège, lycée. C'était un ensemble, et il y en a un du collège qui rigolait, il s'en foutait, ils sont contre bas les couilles, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, on va dire franchement, c'est un contre fou. Et bien, il s'est fait bannir du lycée, c'est-à-dire qu'il s'est fait dégager. Alors, je trouvais ça un peu vache, mais en même temps, je trouvais ça juste, parce que. Ben voilà, au début, j'ai dit putain, mais ils sont vaches et tout, mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai dit ouais, mais il avait pas qu'à se foutre la gueule des gens. C'est bien fait pour sa poire, quoi. Voilà, tout simplement. Mais Titi, dans mon lycée, on avait fait une minute de silence pour Charlie Hebdo. Bon, il y avait quand même quasiment tout le monde qui l'avait fait. Mais les autres qui le faisaient pas, et ils disaient des conneries, ou disaient des trucs nique ta mère, etc. Franchement, ça. Mais sur les réseaux sociaux, en fait. Non, mais sur les réseaux sociaux, on a beaucoup qui disaient ça. Ouais, Charlie Hebdo, c'est la merde et tout. C'est un livre et tout, mais on s'en fout, mais. J'ai vu beaucoup de gamins qui s'en contrebattaient les steaks. Mais franchement, quand je vois ça, je vois les gamins, mais putain, mais fermez votre gueule et allez voir ailleurs si on y est, quoi. Franchement. C'est surtout des merdeux qui sont sur Vette, Adidas, etc. Mais ils en ont rien à foutre. Mais en fait c'est le gars, voilà, ils veulent se montrer, voilà, ils veulent faire leur kéké, ils veulent montrer leur crête de coq et compagnie. Voilà, point mort. Ça, c'est juste des gamins. Voilà, c'est des FDP. Voilà, je suis désolé du terme, mais. Bah tu vois, putain, mais moi, oh! J'ai été acheter le Charlie Hebdo, toi quand il est ressorti, hein. Bah moi aussi. Alors que pourtant j'avais jamais lu ce journal avant. Et moi également, bon moi ouais. Pas pu l'acheter. Malheureusement, j'aurais bien voulu le regarder. Je sais pas s'il est sur internet d'ailleurs. Ouais mais. D'ailleurs même les pages sur Facebook là, sur les pages Facebook sur Charlie Hebdo, j'ai vu qu'elles ont toutes changé de nom, elles sont passées sur Je suis Paris, Prêt au Paris. Ce nom est partout, Paris, c'est partout maintenant, à cause de ces attentats, partout. Tout le monde s'est mobilisé pour soutenir les victimes, etc. Parce que quand même, 129 morts, c'était l'attentat le plus meurtrier en France. Il faut le rappeler. Surtout, en plus, alors, je sais pas si c'est un rapport, mais un 13 novembre, quoi, franchement, ça a été... 22 et 13 en plus, quoi. Il y en a qui regardaient, en plus pas dans le match du football, on a entendu même les deux détonations. Explosions des kamikazes. Doucement les gars, doucement. J'ai pas regardé le match moi. Mais si, moi j'ai vu juste fait voir les trucs à la TV, mais quand ils avaient joué au match, on attendait BOUM. On attendait gros boom. Ouais, à 16 minutes 30, on a... après 3 minutes plus tard, une deuxième. En fait c'était les kamikazes qui se faisaient exploser. Et après ils étaient 2 ou 3 autres. Dans une autre voiture, je crois. Et après, parce qu'après, ils ont retrouvé la voiture, je crois, les forces de l'ordre, les forces publiques l'ont retrouvé. Ma Belgique. Ah,
un problème de connexion. En Belgique, ils ont trouvé la voiture en Belgique. Parce que en fait, les voitures elles ont été louées par des Français résidant en Belgique. Alors moi, quand je vois ça, j'ai dit putain, mais franchement. Voilà, il est. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il a parlé l'autre, les trucs de les concessionnaires belges là, mais. En même temps, ils pouvaient pas savoir. En même temps, ils pouvaient pas savoir. C'est facile de trafiquer une plaque d'immatriculation. Bon, ça, enfin bref, on laisse tomber ce sujet. Je voulais revenir à Charlie Hebdo parce que pour moi, bon, après Charlie Hebdo, quand même, bon, c'est pas genre là que je suis fan, mais bon, je regardais, j'en ai acheté un juste pour voir, mais c'est bof pour moi. Après, c'est votre avis. Les gars, ralentissez. Pour cette histoire d'affaire Charlie Hebdo, pour moi, c'est pas la France qui a gagné, c'est les terroristes qui ont gagné. Vous savez pourquoi? Parce que ce que voulaient les terroristes, c'est que Charlie Hebdo arrête de faire des caricatures de Mahomet. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Bah vous savez quoi? Bah Charlie Hebdo ils en font plus. Ils ont carrément. Ah bah non mais là ça les a marqués tout simplement. Oui mais ils ont arrêté de faire ça, ça franchement c'est complètement dégueulasse, c'est de la soumission. Ils sont pas juste à être soumis. Ils l'ont fait combien de fois en fait la caricature de Mahomet? Bon ils ont fait au moins une quinzaine, vingtaine. Ah bon? Ah moi je croyais qu'ils en avaient fait juste une et que c'était pour ça qu'ils avaient attaqué. Oh non, ils n'ont pas fait qu'une. Ils n'en ont pas fait qu'une. Non, et depuis après les attentats, les attentats de Charlie Hebdo, les dessinateurs ils ont arrêté carrément de faire des caricatures de Mahomet. Juste en même temps, à cause d'une menace. Ça leur tombe sur la gueule aussi. Non mais je suis désolé, faut arrêter quoi. Je suis désolé, si on fait plus ça après, c'est comme retirer une liberté, je sais pas moi. Moi je trouve ça un peu débile d'arrêter de faire des choses quoi. Après c'est, je sais pas, c'est comme si je te disais bon, on interdit la consommation d'alcool. Oula, ou j'interdis la consommation de saucisson, c'est pareil quoi. Ça franchement il y a des gens ils seraient pas contents quoi. Putain. Mon gars, t'aimerais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait y en a un qui s'est arrêté, s'est fait rentrer dedans, j'ai ralenti. Ça remonte, du coup. Ouais mais Titi, je vais te poser une question. Est-ce que t'aimerais bien qu'on interdise la consommation d'alcool? En perso, je suis pas trop pour boire d'alcool, mais bon après. En perso, moi ça me dérangerait pas parce que je bois pas d'alcool, mais bon. Moi non plus, mais. Après, ça éviterait peut-être d'avoir des poivrons au volant aussi. Hein. Après, voilà. Par contre, les gars, là, je mettrai cette partie en ellipse parce que tout simplement, ça fait trop de minutes de vidéo, donc du coup, je mettrai cette partie. Je mettrai pas cette partie, je mettrai en accéléré. Ok. Ouais, non, je... Oh, donc, c'est pas la peine de trop parler, on en reparlera après. Parce que là, tout simplement, j'ai mis un accéléré. Y'en a un qui vient s'incruster dans le convoi là. C'est qui? Je sais pas. Y'en a un qui a dépassé tout à l'heure. Le mec, il est arrivé comme un karaté sur la voie d'à côté. Je l'ai vu arriver, une fois qu'il a fait attention à moi, il est arrivé direct sur la voie. Le mec, il m'aurait rentré dedans, ça aurait été pareil quoi. Kevin, il y a un péage. Je sais. Alors, attention parce que derrière j'ai des coups de lait. Mais tu veux l'accélérer du début jusqu'à la fin ou ça se passe? Non, mais là cette partie là j'ai coupé un bout milieu. Quand vous arrêtez de parler, j'ai coupé et après je refais la capture. Mais cette partie sera tout simplement d'accélérer. Ok. Parce que sinon après le temps, après t'imagines le temps de convoi, il dure trop longtemps quoi. Ouais trop longtemps, ouais non mais c'est. Je ferai une partie en accélère aussi ouais. T'as faut que j'arrête d'appuyer sur champignon hein. Mais après le problème c'est que voilà. Après y'a certains qui ont peur, bon moi j'ai pas peur parce que voilà. Après là où je me sens un peu protégé mais. Bah moi aussi voilà. Y'a certains qui ont peur mais simplement faut pas en avoir peur quoi. Simplement, faut pas se laisser faire par rapport à ces gens. Il faut toujours rester libre. Parce que ce que veulent les terroristes au final, c'est retirer la liberté. C'est pas d'envahir, c'est de retirer la liberté. Au final, c'est juste de voler la liberté. Et eux veulent vivre dans un système où il y a quasiment aucune liberté. Bah où ça va. On reparlera un petit peu après les gars, on va essayer de parler autre chose. Oula.
Parce que vu que cette partie, vu que cette partie de convoi sera en accéléré, il n'y aura pas de son, il y aura juste que de la musique. Donc voilà quoi. Par contre moi Qu'est-ce qui t'arrive Alors Le mec il s'est arrêté, il a mis une TTDE sur son pseudo quoi, il a même pas demandé autorisation. Par contre les gars, vous connaissez Julien NRI? Quoi, t'es sérieux là? Les gars. Julien ouais. NRI? Oui, Julien NRI. NRI grec, oui, bah oui, c'est Julien, oui, bah pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je voulais parler des passions un peu bizarres quand même. Julien, il y a une passion que je trouve, que j'ai toujours trouvé étrange. Bon, pas un point où faut rigoler, hein. Moi je rigole pas avec des trucs pareils. Mais quand même, c'est quand même un peu étrange, mais c'est pas non plus. C'est même très très étrange. Oui, ça s'appelle la passion des autoroutes. Attention, les mecs! C'est spécial. Voilà. Après, je sais pas si vous avez d'avis. Après, on n'incite pas Julien, hein, je vous dis tout de suite. Et puis, même, c'est bien qu'il y ait une passion un peu spéciale par rapport aux autres. Juste Kevin, évite de parler parce que vu que t'as le retard prioritaire, Henri on n'entend pas très bien après. Attends, je vais l'enlever. Donc voilà, merci. Donc voilà, c'est pas pour insulter Julien, mais simplement. C'est spécial comme passion, je sais pas ce que vous en pensez quand même. Je sais pas. C'est peut-être venu de. Je sais pas. C'était quand même spécial. Non, mais comme je veux connaître les autoroutes de France par cœur. Parce qu'il adore ça, il adore ça tout simplement. Bah moi j'en connais même pas le quart, c'est ça le problème. Putain mais faut lui donner un boulot dans la DDE, il est content lui. Ouais. Bah après. Mais il a bossé sur la DDE, je te signale. Après, moi j'ai comme passion, ça va paraître débile, moi j'ai quand même trois passions. Les voitures, classique, l'informatique. Classique. Et les sneakers. Hein? T'es sérieux là? Je vous dis tout de suite, quand je dis sneakers, c'est pas, ça veut pas dire la barre chocolatée, non. Ah non, non. Merde. C'est les chaussures. Ça veut dire chaussures en anglais. Oui, parce que je suis un passionné de chaussures rares, si tu préfères. Eh ben. Chaussures rares, basket. Been all around the globe trying to protect your soul.
en train non, de non, 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 tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Mon dieu, Henri, ce que tu nous fais. Oui, je fais un demi-tour à la Zob. Je peux y aller? Pote zombie. Alex, tu fais quoi? Je vais pas aller attendre les ordres de Titi. Hop, je me mets la caméra libre. T'as le camion, il est là. Tu me dis dès que je peux y Alex, aller. Alex, tu peux partir. Ok. Allez, moi je reprends la vidéo. Allez les amis, on se retrouve après, c'est partie accélérée. Voilà, je voulais mettre une deux petites parties accélérées, voilà, surtout pour l'arrivée à Metz, parce que sinon on allait faire trop de convois. Et sinon ça aurait été trop long. Donc là il nous reste 93 km, donc il nous reste pas grand chose. Donc on va recommencer à faire repasser tout le convoi. Donc Alex, tu peux y aller. Klaxonner à chaque fois que vous passez à côté. Klaxonner à chaque fois que vous passez à côté. Donc on est toujours pareil, on n'a pas changé de personne. Personne n'a rejoué ou a quitté le convoi. Donc tout va bien. Allez, Extreme Brony, Henry 640. Klaxonner, n'hésitez pas. Faites du bruit. Allez, faites du bruit. Qui est... Putain de merde. Tu dois y aller. Ok, sans problème. Merci d'être passé. À bientôt, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Alors, c'est moi, on entend des conversations téléphoniques chez Hello Tara Lagui. Non, non, on aurait le parler bien à nous. Attendez, doucement les gars, j'ai pas encore démarré, attendez, j'ai pas encore démarré. Bah, y'a un petit peu, t'as pas trop fait peur. Non, mais j'avais vu, hein. Allez, on reprend le convoi. Donc, on va finir cette vidéo, les amis. Il nous reste 90 km. Voilà, donc on aurait été beaucoup de monde. Et on malheureusement, fait... Lagui n'a pas pu venir. Lagui n'a pas pu participer au convoi, malheureusement. À cause des problèmes techniques. Après c'est moi qui. Dis, c'est moi qui mettra sur le côté pour laisser passer tout le monde. Voilà, donc du coup, on va arrêter de parler de ce terrorisme. Hein. Parce que sinon, oui. on va faire que s'emporter chaque fois sur le sujet. Merci. Donc là, pour les 86 km qui nous restent, 85, on va essayer de parler d'autre chose, tranquille. Voilà, on va parler un petit peu de nous, on va parler un peu de Monsieur Kevin Elsa 3 et prier de rester derrière, parler, merci. Voilà, on va juste parler entre nous, histoire de pas avoir trop de soucis. Voilà. Allez. Monsieur Kevin Elsa 23 et prier de rester derrière, merci. Ah, on ne double pas par contre, les gars. Oh putain, qui c'est qui double encore? Oh là là. Bah, c'est Kevin. Attention, j'ai des coups de lag. Pourquoi tu vois pas, pourquoi tu demandes? Kevin, tu n'as pas tous les droits. Donc Kevin, t'étais derrière moi, donc tu repasses derrière. Ok. Et à la fin, c'est moi qui me mettrai sur le bas-côté pour laisser passer tout le monde. Bon, je suis Henri 640, et c'est qui est derrière? Je vais laisser passer Johnny. Non, Tristan. Ouais, j'ai perdu le monde, il n'y a plus que 4 personnes. Non, c'est Tristan, pas Tristan. Non, mais moi je disais Johnny, c'est parce qu'il y a écrit Johnny à droite donc. Non, mais il a pas redémarré le jeu, c'est pour ça qu'il a pas remis, ça a pas remis Tristan. Parce qu'à la base c'est que Tristan. Mais sur Steam, mais vu qu'il a pas redémarré le jeu, c'est pour ça que c'est resté comme ça. C'est pas grave. Après, je vais qu'il redémarre le jeu, bordel de merde. Il remettra Tristan tout simplement. Vous faites quoi là, les gars là? Henri, tu m'expliques? Il a voulu faire partir. Pose ton portable, Henri. Arrête de tuer ton portable. Mais non, mais en fait, je t'explique, Henri, je suis passé volant. T'es sur Bazookan? Regarde. Oh putain, Titi. Oh non, mais Kevin, non, mais regarde là, ce que Titi, je fais. T'es en train de véhiculer le cliché comme quoi les mecs ne pensent qu'à ça. Voilà, mais c'est tout à fait le profil d'Henri, hein. De quoi? Bon, du coup, là, je vais véhiculer un autre cliché. Les Russes boivent toujours de la vodka. Bah, c'est vrai. C'est pour compenser. C'est normal. Le pire, c'est que c'est vrai, on n'y peut rien. Hein. C'est comme les Allemands et la bière. Et à 3, on fait le jingle, c'est normal en Russie. 1, c'est normal en Russie. C'est normal en Russie. Hashtag non, mais les gars, simplement, vous croyez vraiment que je faisais. Je m'en fous, j'ai le droit, je peux doubler. Non, mais simplement, je faisais des trucs pour rigoler. Mais putain, j'ai un rollback, tu vas te le choper bien profond. Rollback. Ah boui. Ouais, parce que j'en ai aussi des frises. Tiens. Bon,
n'hésitez pas à cotiser de l'argent pour Titi, il faut qu'ils achètent un nouveau PC. Hein. Mais moi j'ai des lags et un chouchi. Pareil, j'ai que des lags, ouais. Que des coups de freeze. Putain. Il faut hacker le PayPal de Titi, hein. Faut pas oublier. Hein. Pourquoi faire? Bah pour voler son argent, lol. Ah oui. J'ai 0€ dessus. Non mais je rigole, on peut pas hacker PayPal, c'est impossible. Ronny, pépé au volant. Ah si, je suis au volant. Allo papy. Non mais c'est que je réfléchissais, je faisais pas trop attention à ma vitesse. Parce que là j'ai un toc 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 dans la tête là. Un toc toc toc, qu'est-ce que tu veux dire par un toc toc toc? Qui est là, un prénom et ensuite toc toc toc. Qui est là? C'est Sarah. Non, c'est Yvan. Sarah Croche. Non, c'est Yvan. Oh non. C'est pas avec les blagues avec Sarah parce que là ça m'ira pas plus. Non parce qu'on les a tous collège, c'est bon moi. Attends, laisse tomber, on a une pionne qui est au lycée, elle s'appelle Samira. Donc du coup tout le monde Samira bien. Samira mon amour. Non, Samira bien. Samira bien. Des cathédrales. D'accord. Ah oui, les gars, j'ai eu un truc. Attention. Vous savez que le sarabande, c'était une danse. Il y a une couille dans le poté. Oui, une couille dans le poté. Oui, en fait, en première, on a eu un remplaçant comme prof de français. Et le gars, c'était un gars d'origine africaine, tu vois. Et il nous dit, ouais, qu'est-ce que c'est? Vous savez, avec l'accent. Putain, j'ai des coups de frise, ça m'énerve. Et nous, dans la tête, on se disait. Ça. C'est cochon, mais. Oui, on avait un très chouette en première. Donc. Titi, j'arrête pas à doubler! Non, mais moi, franchement, je me rappellerai toujours d'un nom de prof le plus chelou que j'ai jamais vu. C'est quoi? Non mais le mec, il m'a fallu 2 ans pour réussir à prononcer son nom correctement. C'est quoi? Même lui, il le prononce... Zimbabwe? Non mais le mec, il se fait appeler Monsieur Raza. Raza? Mais son nom complet, c'est Monsieur Raza. Denolox. Ça, c'est quoi son nom de famille? J'ai pas entendu. Raza Fimamand Gerilala. Hein? T'en déconnes. Ah oui, ça doit être dur, ah ouais, d'accord. Non, par contre, c'est la première fois qu'il dit que tu vois un prénom comme prof, ça. Je me suis dit, tu verras, il réussira même pas à le prononcer lui-même. Il dit, je suis Monsieur Raza, je fais bah. Oh bon. Et par contre, moi au collège, j'avais quand même. L'avatar. J'ai eu qui? Madame Traversa. Elle traversa la rue et se fit écraser. Où tu vas, Alex? Merde. Bon, je veux bien s'arrêter à. Juke aussi. Galax. Galax. Non mais arrêtez avec Galax à la fin. J'ai dit Nonox. Ah mais j'ai cru que t'avais dit Galax. Oh putain mais. Non mais franchement faut que tu arrêtes avec Galax. Tiens, va lui faire la. Et c'est tout. Hein, parce que putain là... Mais non mais c'est. Ouais. Non mais ça a rien à voir. J'ai cru vraiment que c'est qu'il disait ça quoi. Va le. Ah mais ça ira mieux. Parce non que... Allez, tout le monde lève sa cargaison ou la lune. Les gars. Tout le monde a lune. Putain d'enculé. Connard, tout le monde annule sa cargaison ou la livre et tout le monde se retrouve à l'hôtel pour faire une photo générale. Du coup, t'avais dit tout le monde à lune. Annule, oui, je sais, je me suis trompé. À lune, lol. Tu veux m'annuler? J'ai annulé, j'ai alluné. On l'a déjà fait cette blague, Kevin. Je la connais. Mais quelle bug, je vois pas tes ongles, tu crois que tu pars? Et sans déconner, vous avez vu le mec là qui a des couleurs de la Jamaïque Non mais il roule comme un tapis celui-là. Non mais le mec, t'as vu, je sais pas si t'as entendu, mais le mec, quand il m'a coupé le virage sous les pneus là, je lui ai dit, mais putain, casse-toi, rasta quoi. Lol. Et là, il est passé entre le trottoir et le feu tricolore, cet abruti. Mais non, t'aurais dû dire en anglais, rasta, t'as fumé combien de joints? Non mais ça aurait été un peu plus normal, tu vois. Il aurait plutôt aussi crash kit. Ouais. Évidemment, c'est maintenant qu'il pleut. Il pleut, bah, il mouille,
c'est le moment de la TD, ah, couille. Il me plaît pas du tout. Oh non. Elle est pas mal celle-là. C'était les corons. Dis-moi, vous êtes moi, vous êtes toujours, je vois vite. Trop tard, on a fini. Putain. Ah, tu vas viens pour la photo si tu veux. Tu peux nous rejoindre pour la photo finale. Ah putain. Ça sert à rien, putain. Oh. Sois pas dégueu. Et je suis intelligent, j'ai même pas annulé ma cargaison. Putain. LOL. L'aile de poulet. Bon, moi, je suis en train de personnaliser l'intérieur de ma non, cabine. Non, mais si Titi s'y met là, on va pas s'en sortir. Hein. Pour faire le convoi et ensuite. Déjà, on va être à 44 minutes comme ça. On peut pas décaler jusqu'à 18h30 quand même. Le problème, c'est que là, on a juste qu'à faire la photo finale et après on a terminé. Ah! Il y a. Comment ça s'appelle? Il y a Nikosov qui est en live dans 5 minutes. C'est quoi? On parle. T'en fous! Non, je déconne. D'ailleurs, en parlant de Nikosov, j'ai appris que sa pauvre entreprise, la Nico Travail, ouais. sa superbe entreprise, elle a fermé malheureusement. À cause de Kikou, tout simplement. C'était qui de Kikou qu'on rigole?
qui regarde ces missions. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, les gars, je vais couper le GPS. Nous allons faire, merci, Lagui, d'éteindre ton camion. Y'a un bruit de man. Y'a un truc sur mon écran, c'était pas une goutte de pluie, c'était un postillon. D'accord. C'est qu'il y a le man. Lagui. Toi, j'ai foncé ton Mercedes. Non, stop. Ce que nous allons faire, une minute de silence par rapport à l'attentat qui s'est passé. Donc, nous allons commencer, tant pis pour le moteur, hein, on va faire avec. Donc, par contre, personne n'allume le moteur entre temps. Donc, on y va, on va faire la minute de silence. Allez, c'est parti. Les gars, c'est impossible à faire avec cet abruti là. Putain. Ouais. Comment on dit bouge? Enfin, bouge de là. Au pire, on va aller à un autre endroit. Non, attends. Comment on dit moteur déjà? Oh, c'est moi, engine. Je me suis pas de commande. Moteur, ouais, c'est engine, c'est E-N-G-I-N-E. Je sais. Turn off your engine. Ah, mais ça va, il se casse, c'est bon. C'est bon. On va pas refaire. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon. J'avais un bruit de klaxon tout le temps, c'était bizarre. Hein. C'est parti là. Allez, une minute de silence. Bon. Donc c'est bon, on a fait. Donc merci à toutes les personnes qui ont respecté ce qu'on voit. Donc on va se finir sur la fin. Donc chacun va partir un par un. Alors attendez par contre les gars, laissez-moi le temps de que je puisse les donc attendez les gars.
Alors les gars, Alex, tu vas partir le premier, y'a pas de problème. You got to take your place in line, find the